Bonjour, bien bonsoir, dépendamment de qui l'a regardé vidéo ça. Je viens de parler d'un sujet qui est vraiment intéressant, qui gagne pile gros débat, pile discussion faite par rapport avec sujet ça. Est-ce que chrétien ou qu'attend des musiques païen? Lorsque nous parlons de musique païen, c'est toute musique qui pas parler de bon Dieu, qui pas honorer bon Dieu, qui pas glorifier bon Dieu. Musique chrétienne, nous gagnons connaître, c'est toute musique qui glorifie le nom de Dieu. Avec Jésus, non, ma pensée. Avant nous aller plus loin, on nous garde l'origine musique. Qui côté musique l'en sorti? Scientifique, fait nous connaître que musique l'en lien prend naissance avec des hommes préhistoriques. Nèg qui te qu'on a travaillé la terre, en bien par rapport avec son qui instrument ou te qu'on baille là, c'est là où découvre musique. Par hasard, musique vient prendre naissance et puis avec le temps, yo modifié, yo structuré et yo bien ordonné qui vient bah nous gagner musique, ça nous gagne jeudi. C'est ça scientifique yo dit. Mais lorsque nous lis à travers la Bible fait nous connaître que t'es déjà gagné musique, musique te prend naissance depuis dans ciel là. Lorsque nous dans Ézéchiel 28, ou après que Satan ou bien Lucifer, c'était un grand musicien qui était gagné dans le ciel. Là, tu toujours gagné des cantiques. Lorsqu'on a pris dans l'Apocalypse, ou après, tu toujours gagné des cantiques, tu toujours gagné des adorations en haut dans le ciel. Là. Et lors, aller encore dans Ésaïe 14, la Bible fait nous connaître que Lucifer lui-même, c'est un grand musicien, et était gagné un paquet de qualité, il était gagné encore, il était vraiment rayonnant. Et après que l'orgueil était fini de monter dans la tête, il devait prendre place, bon Dieu était précipité. Le sous terre, mais lorsque bon Dieu précipite le pas retirer compétence, il toujours été un grand musicien. Musique l'an li gon porté spirituel et musique l'an tout li gon porté pour que le capable influencer moun kap tande la. Et lorsque nous parlons de l'envoûtement par la musique, nous parlons d'une mauvaise influence qui ne vient pas de Dieu. C'est à dire, cette musique que tu entends, cette chanson que tu aimes, cette star que tu écoutes, derrière elle, il y a une influence qui ne vient pas de Dieu. À nous tendre, qui expérience pasteur a fait par rapport avec musique mondaine, c'est ça qui fait les gens approchent pas par rapport avec thème ça. Moi, j'étais très lié à la musique, très très lié. J'étais un idolâtre, j'adorais les stars de la musique. Je dansais tout le temps. Je pouvais m'enfermer dans notre salon et mettre la musique à fond jusqu'à ce que les vitres commencent à trembler. J'étais un possédé et je connaissais la vie de ces stars. Je pouvais seulement regarder un clip deux fois, trois fois et je danse précisément et je pouvais même créer des chorégraphies et j'étais possédé de cela. Mais un jour, j'ai lu seulement un livre sur la musique rock'n'roll et le voile a été déchiré. Je me suis réveillé comme si pendant longtemps je rêvais. Je suis allé, j'ai tout cassé, j'ai tout détruit parce que le voile était déchiré. Et musique là même, n'importe style musique là, n'importe rythme musique là, qui impact est capable de faire sur le monde qui attend là? Contrôler, dominer, diriger, téléguider. Où tu fais des choses, tu penses que c'est toi qui veux le faire, mais on est en train de te téléguider. Parce que dans le secret, ils ont fait telle incantation. Ils ont dit, celui qui écoutera cette musique, que sa vie soit détruite, que sa vie soit ainsi, que sa vie soit cela. Combien de jeunes se suicident après avoir écouté la musique rock'n'roll? Combien de jeunes se suicident? Combien de filles deviennent lesbiennes en écoutant ces musiques-là? Combien de garçons deviennent des homosexuels en écoutant cette musique-là? Car si dans les clips, on montre des filles en train d'embrasser des filles, des garçons en train d'embrasser les hommes, qu'est-ce qu'on veut vous dire? On veut vous dire, faites comme nous! Est-ce qu'il y a des messages cachés? Si mon n'a pas chanté, même s'il pas cité dans bon Dieu, s'il pas dit un mal, s'il pas dit un mot qui drôle, s'il pas blasphémé dans bon Dieu, est-ce que un chrétien a dans des musiques ça? Est-ce qu'il y a des messages cachés dans la musique yo? Et quand j'ai découvert qu'ils étaient capables de mettre des messages subliminaux dans leurs messages, ça veut dire qu'ils chantent une chose, mais sous cette chose, ils chantent une autre chose à l'envers. Ton intelligence capte le premier message, mais ton subconscient capte l'autre. Et ce qui est plus important, c'est le subconscient. Parce que tu peux te retrouver en train de faire des choses, tu ne sais pas pourquoi tu les fais, mais ton subconscient les a captées et le subconscient obéit. On appelle ça des messages subliminaux. Un message que ton oreille n'entend pas, mais que ton âme, ton subconscient entend. Et un homme a fait... a démontré, il a pris la musique de certaines stars et il a mis leur, en ce temps-là c'était leur disque, et il les a mis en l'envers. Qu'est chanter ce CD?
commence. Start to smoke marijuana. Start to smoke marijuana. Start to smoke marijuana. Et ça lève. Start to smoke marijuana. Et mais comme lentement. Start to smoke marijuana. Commence à fumer la marijuana. Commence à fumer la drogue. Et moi, j'écoutais cette musique-là. D'autres, ça chantait. Bientôt on se verra en enfer. 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 Tu écoutes cette musique, à force de l'écouter, tu dis, lui fait le zanaro bien. Mais là, c'était quand nous nous sommes convertis, il y a très longtemps. Mais aujourd'hui, c'est plus développé. Plus développé. Alors je vous dis, plus développé. Ils peuvent même utiliser des images que tu ne vois pas, mais que tu vois sans voir, mais ton esprit les capte. Qui mentalité chrétienne ou bien par rapport avec musique mondaine. Bien que pour l'œuvre de Dieu, pendant que je parle ici, je vous communique pas que les paroles, je vous communique mon intimité avec Dieu. Et vous ne pouvez pas dire, moi ce prédicateur, je m'occupe pas de sa vie, hein. Même s'il craint pas Dieu, même s'il a divorcé, moi je l'écoute. Est-ce que vous faites cela? Pourquoi alors pour la musique, vous ne suivez pas leur vie? Faut suivre aussi leur vie. Pourquoi vous mettez de côté leur vie et leur musique? Si sa musique est bonne, sa vie ne me concerne pas. Pourquoi pour nous alors, pour nous écouter, vous devez suivre nos vies? C'est un envoûtement. Vous êtes dur avec les hommes de Dieu, mais vous n'êtes pas dur avec des païens qui sont en train de travailler à vous envoûter. Dans mais nous garder cette explication ça après ça on dit nous sommes pensés dans commentaire. J'ai trouvé ce verset que je vous ai donné. Je l'ai toujours lu mais je l'ai jamais compris ainsi. La Bible dit dans Ecclésiaste 10, verset 11, « Si le serpent mord par faute d'enchantement, il n'y a point d'avantage pour l'enchanteur. » Si le serpent mord par faute d'enchantement, il n'y a point d'avantage pour l'enchanteur. Que Dieu me donne la force d'expliquer ça. Que veut dire l'Ecclésiaste? Il dit que si il n'y a pas d'enchantement sur le serpent, le serpent va mordre l'enchanteur parce que l'enchanteur, c'est l'envoûteur. Qu'est-ce qui se passait au temps de l'Ecclésiaste? Et ça se passe encore dans certaines régions reculées. Un homme utilise une flûte et il fait danser un serpent. Vous connaissez ça, n'est-ce pas? Alors le cobra est mis dans un panier et le monsieur vient avec une flûte. Il commence à jouer seulement de la musique et il commande au cobra. Le cobra sort du panier et ne le mord pas. Il commence à faire danser le cobra. S'il veut qu'il dorme, il dorme. S'il veut qu'il danse, il danse. S'il veut qu'il bouge, il bouge. S'il veut qu'il amène sa tête devant, il l'amène. Il anéantit la puissance du cobra par la musique. Et l'Ecclésiaste dit que s'il n'y a pas d'enchantement dans cette musique, il sera mordu. Ce qui fait que le cobra puisse écouter et obéir à l'enchanteur, c'est qu'il y a une puissance maléfique qui agit dans la musique afin de contrôler le cobra. Alléluia. C'est-à-dire que le cobra, naturellement, est un animal méchant, mauvais, mais par la flûte et par la musique, il est contrôlé, il est dirigé et il perd sa véritable nature qui est dangereuse. Le même cobra qui tue ne tue plus parce qu'il est sous l'emprise de l'enchantement de la flûte. Ainsi, cette musique est en train de le paralyser, est en train de l'empêcher d'agir. Et aussi, frères et sœurs, ce même cobra qui peut venir et sauter sur lui, commence à lui obéir, l'homme devient le maître du cobra à cause de la musique. Ainsi, par la musique, celui qui ne peut pas être maître de toi peut le devenir si sa musique est une flûte enchantée. Une flûte enchantée transforme un homme qui ne peut pas obéir à un autre en un esclave. Il y a une question qui est vraiment intéressante encore, en pile gros débat fait sous lui. Est-ce qu'un chrétien a dû passer musique par un mariage? Ça, la question, ça me prenait vraiment intéressant. Le jour de ton mariage, un véritable chrétien, on ne met pas la musique du monde. Et là, fin de toute parole, ça, ou de pasteur, expérience, tout ça. Qui décision chrétien t'a dû prendre après le final de toute parole, ça? Tu vas casser les CD, tu vas effacer la musique. Je dis, tu vas effacer la musique. Tu vas te désabonner de ces chaînes YouTube remplies d'obscénité. Tu vas te désabonner. Pourquoi? Tu es devenu un serpent différent que la musique n'influence pas. Lorsqu'on finit dans toutes ces vidéos, ça arrive jusque-là.
dis-moi dans commentaire qui sont pensés. Est-ce qu'on d'accord avec pasteur ou bien est-ce qu'on pas d'accord? Et si vous pas d'accord, dis-moi pour qui ça ou pas d'accord. Si vous d'accord, dis-moi qui sont pral faire lorsque vous fin tendez cette vidéo ça. Est-ce qu'on convainc? Et si toutefois vous aimez cette vidéo ça, vous connaissez une seule façon qu'on va encourager nous pour nous venir avec contenu ça pour vous, c'est cliquer sur petit bouton like là et puis partager vidéo ça pour plus l'autre monde capable tendez parole ça aussi ou même vous trouvez intéressant. Et puis abonnez avec channel là pour que nous capable toujours au courant lorsque nous laguer une autre vidéo dans ce sens ça. N'attend nous dans prochaine vidéo. À très bientôt.